Vers le montagne, d'où me viendra les secours. Les secours ne viennent ni de l'homme, les secours ne viennent ni de ma mère, les secours ne viennent ni de mon pasteur, mais le secours vient de toi, Jésus, de toi, mon rédempteur. Merci, Jésus. Trying to be my time.
reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur.
Dans ton cœur, là où tu es comme ça. Alléluia, Hosanna. Si vraiment tu as la conviction que ton grand Dieu a fait de grandes choses dans ta vie, il y a quelque chose qui doit vraiment bouger. Il y a quelque chose qui doit te faire vraiment manifester cette joie-là. Hein?
je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel, mon Dieu. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh non, 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 non. L'ancien Billy nous a fait du bien le mercredi et nous bénissons l'Éternel pour cela. Il nous a parlé sur « Ne pleure pas ». Et il a développé 4 points importants. Il dit « Il y a des pleurs d'affliction, n'est-ce pas ? Il y a des pleurs du péché, il y a des pleurs de souvenirs. » Et il a fini par dire qu'il y a aussi des pleurs d'incapacité. Amen. Ce n'est pas forcément qu'il va reprendre cela ce midi, mais nous voulons écouter ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Nous acclamons le Seigneur pour l'ancien Billy pendant que nous l'accueillons. Moi, j'ai la joie. Amen. 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 Je pense que nous avons la joie, n'est-ce pas? Amen. Parce que la façon dont nous avons chanté, non, le Saint-Esprit est ici. Amen. Et même ceux qui ne sont pas venus le rater, il est comment? Non. Très grand. Il est très grand. Nous avons passé de très bons moments depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur nous a donné un ordre. Ça signifie ce mois de septembre, c'est un mois spécial. C'est un mois de prière. Et donc, je vous prie, bien-aimés, de ne pas le rater. Parce que si vous le ratez, votre raté sera bien, bien grand. Le Seigneur nous a visités lundi, mardi et aussi mercredi. Comme le pasteur vient de le dire, nous rendons gloire à l'Éternel. Nous allons nous tenir debout. Moi, avant de prêcher, j'aime d'abord qu'on chante. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimés. Nous avons une armée très forte ici, hein, qui fait la fierté vraiment de Dieu dans cette ville de Toronto. Cette armée que vous voyez, je vous assure, elle est une armée de gloire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter « We have a chosen generation », n'est-ce pas? That's called to show His excellence. Donc nous allons nous mettre debout, le confesser. Nous allons chanter, mais le frère Maurice n'est pas là parce que lui aime danser ce cantique très bien. Mais s'il n'est pas là, chantons comme lui. Alléluia! Bien-aimé, j'aime votre guitare, allons-y. Woo! Hallelujah. We are a chosen generation. Amen. I'm forgiven. I know. I'm walking in power. Jesus, tell your neighbor that we are a chosen.
La joie est vraiment là, n'est-ce pas? Et la preuve est là. Que Dieu soit loué. Nous ouvrons la parole de Dieu. Le thème de ce matin, il s'appelle « Fais-moi comprendre ta pensée ». Nous nous adressons à l'Éternel, nous lui disons « Fais-moi comprendre ta pensée ». Nous lisons un passage très, très connu de tous et on le prêche très souvent. Ésaïe 55. Nous le connaissons déjà, n'est-ce pas? Quand on parle des pensées de Dieu. Même sans pouvoir vous le donner, vous le connaissez déjà, n'est-ce pas? C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Hein? Dieu va nous faire du bien. Oui. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Ésaïe 55, versets 6 à 11. Oh, 6 à 11. C'est comme 611, n'est-ce pas? J'ai dit 6 à 11. 6 to 11. Vous voulez ça? 6 to 11, then. C'est 6 à 11. J'ai ma façon de parler, vous m'excuserez parfois. Il y a certains mots que je gobe. C'est dans mon corps, c'est dans mon sang. Nous avons trouvé? Ce serait une nouvelle Bible avec 611 versets aujourd'hui. Hein. Nous pouvons le lire. J'ai ma version, mais elle n'est pas très très différente de Louis Segond, mais il est déjà là. Nous pouvons le lire là-bas, à l'écran. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche et ne retourne point en moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Amen. Et le verset qui nous préoccupe le plus, c'est le verset 8 à 9. Il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. » Amen. Ce passage a un contexte à lui. Je pense que nous n'avons pas l'opportunité aujourd'hui d'entrer dans le contexte de ce passage. Et nous n'allons pas l'exploiter dans son contexte. Le Seigneur nous l'a donné avec... pour pouvoir nous communiquer une autre pensée. Donc nous le tirons de son contexte pour tout simplement expliquer quelque chose que Dieu veut partager avec nous. Alléluia. La parole de Dieu aussi marche comme ça. N'est-ce pas? Donc, lorsque nous lisons ce passage, les pensées de l'Éternel sont au-dessus de nos pensées. Elles sont comme séparées, comme les cieux sont séparés de la terre. Ça peut nous faire peur, n'est-ce pas? Mais alors finalement, qui pourra comprendre les pensées de Dieu? Si Dieu va encore, nous le servons, nous chantons, nous faisons tout, mais il va encore nous cacher ses pensées là-dessus, et comment nous pouvons les comprendre? Oh, nous avons besoin à chaque instant de notre vie, dans tout ce que nous faisons, découvrir la volonté de Dieu pour que nous ne puissions pas faire la nôtre, n'est-ce pas? Et j'imagine chaque chrétien, probablement tous, chaque chrétien, depuis qu'il a connu Christ jusqu'à aujourd'hui, à ce qu'il est devenu mature, je pense, ça c'était le cas pour moi. Beaucoup se sont toujours posé cette question, mais nous servons Dieu, nous faisons tout. Mais maintenant, pourquoi Dieu va encore nous cacher sa volonté? Il est tout simplement facile, quand je voudrais me marier, il y a John, il y a Gilbert, il y a Jackson, il y a Paul, que Dieu, mais sans beaucoup tergiverser, dit non, c'est Gilbert, n'est-ce pas? Mais je fais toute une année en train de chercher entre Gilbert, John et tout ça. Ça nous arrive de nous poser ces questions.
Moi, ça m'est déjà arrivé. Je pense que beaucoup de gens, il n'y a pas que dans le domaine du mariage, dans beaucoup de choses. Lorsque nous voulons opérer un choix et que nous sommes devant le dilemme, nous commençons à prier, nous jeûnons, nous consultons même les prophètes. Parfois, Dieu ne nous le montre pas, n'est-ce pas? Et nous commençons à nous dire, mais les pensées de Dieu, finalement, nous allons faire quoi? Nous le servons, mais ces pensées sont au-dessus de nos pensées. Non, bien-aimé, c'est vrai, Dieu, c'est un Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que Dieu parle, dont Dieu parle dans les énigmes. Alléluia. Et vous vous rendrez compte très bien qu'au cours de ce message, nous allons voir beaucoup de choses qui vont nous démontrer que ce n'est pas toujours le cas, que la volonté de Dieu est vraiment comme... Ça, c'est le terme. Hein? Ça, ce sont les termes de ce verset. Mais quand nous entrons dans leur esprit, nous nous rendrons très bien compte que dans beaucoup de cas, la volonté de Dieu est tout proche de nous. Tout proche de nous. Mais nous ne savons pas la saisir parce que nous ne savons pas comment Dieu opère. Moi, je sais que la volonté de Dieu n'est pas au-dessus de nous comme là-bas. Mais Dieu veut tout simplement nous amener à comprendre ses principes. Et nous comprendrons très bien que beaucoup de choses sont proches de nous. Est-ce que vous l'acceptez? Beaucoup de choses sont proches de nous. Alors, Dieu, Job 33, n'est-ce pas? 33, 14 à 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dieu cependant parle d'une manière, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas? Il peut parler dans les songes. Il peut parler dans la prophétie. Il peut nous parler à travers la parole de Dieu qui est le Réma. N'est-ce pas? Le Logos. Aussi par la parole prophétique qui est le Réma, comme le pasteur nous l'a enseigné tout récemment ici. Le pasteur insiste là-dessus plusieurs fois. La parole de Dieu est la volonté première de Dieu. Tout ce que nous voulons est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Mais le problème reste maintenant comment comprendre ces principes de Dieu. Alléluia. Dieu nous parle dans plusieurs manières. Il n'y a pas que la parole, il n'y a pas que la prophétie, il n'y a pas que le songe, il n'y a pas que les conseils des sages. Dieu nous parle même pas à travers la nature, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 1 Corinthiens 11, 14 dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas qu'il ne faut pas qu'un homme soit, des longs cheveux. Ce n'est pas dans la nature des choses. Plutôt, les longs cheveux ont été donnés à la femme pour faire quoi? Pour servir de voile. C'est ce que dit ce passage de 1 Corinthiens 11, 14. Ça signifie même la nature, elle aussi, nous enseigne, bien-aimés. La nature, il y a beaucoup de choses qui sont dans la nature à travers lesquelles Dieu nous parle. Et nous allons le voir ce matin. Alléluia. Amen. Si nous lisons Apocalypse chapitre 3, verset 15, on parle de l'église de Laodicée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'église de Laodicée? Quel est le reproche qu'il donne? Nous le savons, n'est-ce pas? Tu es tiède. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Tu n'es pas bouillant, tu es comme ça. Alors moi, je te vomirai. Alors, quand nous lisons ces choses, nous nous demandons pourquoi Dieu utilise ces images ici? Qui sait pourquoi Dieu a utilisé cette image? C'est ce que ça signifie. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomirai. Bon, je ne m'adresse pas aux théologiens parce qu'ils risquent de me contredire sur beaucoup de choses. De me compléter. Alléluia. Non, c'est tout simplement une façon de susciter votre attention. Vous savez pourquoi? Nous ne savons pas. Quand vous lisez la profondeur de la parole de Dieu, ça signifie la ville de Laodicée était située, c'est-à-dire il y avait une source d'eau en dehors de la ville, comme toujours, n'est-ce pas? Nos villages, ou bien dans l'ancien temps, et Toronto Hydro n'existait pas encore. Les gens allaient s'approvisionner toujours en dehors de la ville ou de la cité, n'est-ce pas? En eau pour venir aller faire les travaux de ménage. Laodicée aussi avait une source d'eau où on s'approvisionnait. Cette source d'eau, là, je crois que c'était à 2 ou 3 kilomètres, elle faisait jaillir de l'eau chaude naturellement. Donc de l'eau jaillit toute chaude. Et les gens amenaient ça et puis ils travaillaient, n'est-ce pas? Alors, le fait de la distance, quand les gens allaient puiser cette eau, le fait de la distance et du temps pour arriver à la cité, l'eau perdait au fur et à mesure du temps et de la distance la température. Quand elle était chaude, elle arrivait dans la cité tiède. Elle avait complètement perdu sa chaleur. Donc, toutes les familles de Laodicée pouvaient manquer de l'eau froide, mais au moins l'eau tiède, non? Parce que toutes les familles avaient de l'eau tiède, n'est-ce pas? Alors Dieu a utilisé cette image pour leur dire que non, l'état de votre eau là, c'est ça l'état de votre foi. Et ils ne pouvaient pas comprendre. Alléluia! Donc Dieu parle à travers les choses qui sont comme ça dans la nature.
Et de nos jours aussi, il y a aussi des villes comme ça, des eaux comme ça. Est-ce que vous le savez? Comme où? Où? Bon, ça existe, moi j'ai déjà vu. Quand vous allez dans la ville d'Addis Abeba en Éthiopie, vous trouverez, il y a aujourd'hui, des sources d'eau chaude dans la ville. Et le gouvernement a aménagé des douches publiques où les gens viennent se baigner. Et quand il fait très froid, comme ici, en décembre, en janvier, parce qu'ils subissent aussi l'hiver, n'est-ce pas? Ils sont dans les moins 5, parfois les moins 8. Alors, il fait très froid aussi. Alors, les gens vont se baigner là-bas. Ils n'ont pas de chauffage. Non. Dieu a prévu un moyen naturel. Et vous voyez les gens. Et puis, cette eau-là, on dit qu'elle guérit même le rhumatisme. Donc, des personnes âgées, vous les trouverez là, dans des rangées, en train d'attendre pour prendre de cette eau-là. Alors, quand j'avais découvert ça, j'ai posé la question, mais pourquoi les gens sont rangés ici? La personne qui me dit, tu ne sais pas? Non, ça, c'est de l'eau chaude, naturelle. Ça boue, ça jaillit comme ça. Alors, les gens viennent se baigner. D'ailleurs, même l'hôtel où tu es logé là, la piscine là, c'est cette eau. Donc, on ne l'a jamais chauffée, elle est naturelle. Dit, ah bon? Mais j'ai peur l'occasion. Je vais y aller alors. Après les travaux, le soir, parce que j'étais logé là-bas, le soir, alors, moi aussi, je suis allé me baigner là-dedans. Waouh! Alléluia! Parce que je connaissais déjà ces paroles, cette phrase ici. J'ai dit, mais Dieu m'a fait grâce de voir ces choses. Et je me baignais, j'ai flotté aussi, comme presque dans la mer morte. Hein, ouais. Dans la mer morte, on flotte, n'est-ce pas? Je me disais, waouh! Addis, tu n'es ni chaud ni froid. Alléluia! Bah, quand vous êtes vraiment chrétien, vous allez découvrir beaucoup de choses, ça va vous faire du plaisir. Donc Dieu utilise beaucoup de choses qui sont dans la nature pour nous parler. Maintenant, entrons dans la parole de Dieu pour voir ces choses. Alléluia! Dieu renouvelle toutes choses, bien-aimés. Dieu renouvelle toutes choses. C'est pourquoi, quand on a prié pour les enfants, c'était parmi les choses qu'on devrait faire, parce que nous savons qu'à la rentrée, nous le faisons. Donc, j'allais prier au pasteur, au révérend, pour pouvoir appeler et les élèves, et les étudiants, et les enseignantes, pour pouvoir prier. Gloire à Dieu, nous l'avons fait avant. Dieu renouvelle toutes choses. Et le message principal de ce matin, bien-aimés, dans votre vie, Dieu a prévu des bénédictions. Il les a prévues. Ne vous inquiétez pas, ne promenez pas de regards inquiets. Comme nous l'avons dit mercredi ici, Dieu les a prévues et c'est certain. Qui le sait? Dieu les a prévues. Seulement, je vais vous dire une chose. Sachez ceci, toute chose est dans les cycles. Amen. Toute chose est dans les cycles. Même les bénédictions de Dieu sont dans leur cycle. C'est ça le message. Heureusement, le pasteur m'appuie encore davantage. C'est ça le message. Tout est dans les cycles. Et la nature va nous parler beaucoup abondamment, même la parole de Dieu. Et vous verrez que les pensées de Dieu ne sont pas comme nous pouvons le prétendre, qu'elles sont très loin. Elles sont là. Alléluia. La loi du cycle. La loi du cycle. C'est ça le message principal. La loi du cycle. Amen. Elle agit dans la nature, elle agit dans la Bible, elle agit de la même manière dans la vie des hommes. Seulement la différence c'est que les hommes, les chrétiens eux, doivent comprendre ces choses. Les chrétiens doivent les savoir. Les chrétiens doivent intérioriser leur vie pour pouvoir comprendre comment Dieu applique ses principes dans leur vie et pouvoir lui rappeler ses promesses. Alléluia. Quand le docteur Eric prêchait ici sur Habakkuk, Ne crains rien, écris cette prophétie, attends-la, car son temps est fixé. Ça signifie quoi? Ça vient, nous allons y arriver. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de situations comme ça dans la Bible, comme je venais de le dire, qui expliquent, qui illustrent le principe du cycle. Les bénédictions sont pareilles dans ta vie. Même si vous doutiez, vous n'avez encore rien vu, attendez-vous, elles viendront, c'est certain. Les bénédictions, certes, elles sont dans le cycle. Alléluia. Oui. Première illustration. Lorsque nous lisons Lamentations 3, 22 à 23, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous connaissons. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle dit? Lamentations 3, 22 à 23. Nous connaissons déjà. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque... Ta fidélité est quoi? Ça signifie, les bontés de Dieu
ses compassions, sa fidélité ont un cycle de combien d'heures? De 24 heures. N'est-ce pas? Imaginez, figurez-vous, si les bontés de Dieu se renouvelaient chaque 48 heures. Ou chaque deux semaines, les bontés de Dieu viennent. Dans l'entretemps, là, qu'est-ce que l'ennemi ne ferait pas? Hein? Il criblerait tout le monde, n'est-ce pas? Dieu a dit non, mes bontés sont là chaque jour. Avant que, je ne sais pas, minuit, moins une minute, Dieu les renouvelle. Minuit, moins une, ou bien à 5 heures du matin, Dieu les renouvelle. Donc, continuellement, c'est ainsi que nous vivons dans la grâce de Dieu. Donc, les bontés de l'Éternel sont dans leur cycle. On n'y perd rien. Chaque matin, Dieu les renouvelle. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui ne se renouvellent pas chaque jour. N'est-ce pas? Ça, c'est un cas où vraiment la parole de Dieu nous montre que les bontés de Dieu sont dans le cycle. Nous avons un deuxième exemple. Les promesses de Dieu. Habacuc 2, 1 à 3. Ce qu'on nous a enseigné la fois passée par le docteur Eric. Qu'est-ce que Habacuc 1, Habacuc 1er, le verset 1 à 3. Habacuc 2 plutôt. Habacuc 2, 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? J'étais à mon poste, n'est-ce pas? Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Ok? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. La prophétie, c'est la bénédiction, la promesse que Dieu vous a faite, n'est-ce pas? Il dit quoi? Si elle tarde, faites quoi? Attends, pourquoi? Elle s'accomplira pourquoi? Certainement pourquoi? Oui, le temps est déjà fixé. Tu ne peux rien faire. Le temps est fixé par Dieu. Toi, tu peux te lamenter, mais Dieu sait que le cycle n'est pas encore là. Les promesses de Dieu sont dans leur cycle parce que Dieu les a déjà fixé déjà leur temps. Ah, n'est-ce pas ça? Vous savez pourquoi on appelle le vélo bicycle? Ou bien bicyclette? Vous savez pourquoi? Bicycle, c'est-à-dire c'est deux roues, n'est-ce pas? La roue avant et la roue arrière. Cycle, les deux roues font quoi? Ils font des cycles, n'est-ce pas? La valve tourne et puis elle revient. Elle tourne et elle revient. Donc vous voyez des choses comme ça. Donc la bicycle, ce sont des cycles. Et vous verrez très bien que beaucoup de prédicateurs parlent de ces choses, mais parlent en termes de saison. C'est ma saison. Amen. C'est vrai, c'est aussi vrai. Mais moi, quand j'ai conçu ce message, Dieu me l'a donné, je n'ai pas voulu parler en termes de saison. J'ai voulu parler en termes de cycle. Parce que la saison, on ne peut pas la changer. La saison, elle est immuable. Elle vient que vous dormiez, que vous soyez distrait ou comment, elle sera là. Elle va vous affecter. C'est pas vrai. Mais le cycle, non. Le cycle, on peut l'arrêter, n'est-ce pas? Qui est d'accord? Le cycle, on peut l'arrêter. Le cycle, on peut le retarder. Le cycle, on peut le rater. Le cycle, on peut même l'accélérer. C'est vrai, ça? Le vélo lui-même. Quand vous stoppez le vélo, est-ce que le cycle va continuer? Il s'arrête. Quand vous accélérez le vélo, le cycle fait quoi? Et quand on décélère? Mais est-ce que la saison fait ça? Bon, alors, dans le domaine spirituel, quand on a des malédictions générationnelles, la délivrance tombe. Est-ce que le cycle va continuer? Non. Elle tombe automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. On peut avoir des cycles de maladies. Amen. On peut avoir des cycles de maladies. De là, on opère les myomes. Demain, ils reviennent. Demain, on boit ceci. Demain, ils reviennent. Mais lorsque l'Éternel vous envoie sa bénédiction par la prière, on arrête ces myomes-là. Elles ne vont plus revenir. Et le cycle des myomes est arrêté. Alléluia. Voilà comment Dieu opère. Donc dans votre vie, ce principe est réel. Il y a un cycle de choses. Et elles vont toujours arriver. Un troisième exemple. Le calendrier. Janvier, février, décembre. Le 1er, le 2, le 31. Vous savez quoi, quelles années se répètent? Qui le sait? Qui a déjà fait cette expérience? Elle se répète après combien de temps? 5 ans. Merci maman. Les années se répètent après 5 ans. Donc le calendrier, c'est un cycle de 5 ans. Quand vous prenez votre iPad, vous pouvez commencer à voir le calendrier des années. Vous pouvez faire toute la journée, n'est-ce pas? Trouvez même les calendriers de 10 000 ans.
l'iPad ne peut pas s'arrêter autant que la mémoire hein, l'autorise. Ça, vous allez dire, mais les manufacturiers ici, comment ils ont fait ces choses en trouvant même le calendrier de 10 000 ans? Non, ils ont tout simplement pris 5 ans, ils ont donné à la mémoire qu'il faut dupliquer chaque 5 ans, n'est-ce pas? Chaque 5 ans, le calendrier fait quoi? Nous sommes en quelle année cette année? 2015. Nous sommes septembre 2015, n'est-ce pas? 2015 plus 5? Le en septembre, aujourd'hui c'est le 6, hein? Le 6 septembre 2020, ça sera un dimanche comme aujourd'hui. 2025 comme aujourd'hui. 2030 comme aujourd'hui. Ainsi de suite. Donc le calendrier de 2001, c'est le calendrier de 2006. C'est le calendrier de 2011. C'est le calendrier de 2016. Ainsi de suite. Exactement. Cycle de calendrier. Si vous ne l'avez pas encore expérimenté, allez faire votre, prenez votre iPad, vous allez trouver, vous allez me donner raison. Qui a fait ça? Qui a fait des choses comme ça? Mais c'est Dieu! C'est Dieu! Il a orchestré des choses. Et les gens qui ont étudié, ils nous compliquent avec la technologie. Là, qu'on bouffe. Non! Ce sont des principes de Dieu, bien-aimés. Alléluia! Il y a, pour nous impressionner aussi. Et puis quand vous ne savez pas, on vient de l'Afrique, on voit toutes ces choses-là, on dit, ah, il n'y a que eux qui connaissent. Non, ils ont tout simplement compris les choses, le système, alléluia. C'est pareil avec un chrétien. Le monde utilise ces choses-là, les chrétiens doivent les savoir. Ce ne sont pas de la magie, ce sont des choses que Dieu a créées, bien-aimés. Et elles agissent de la même manière dans notre vie. Alléluia. La naissance d'Isaac, lisons dans Genèse 17, 21. Quand Dieu a annoncé à Abraham la naissance d'Isaac, Isaac n'était pas encore né. Dieu lui annonce. Ils étaient dans la stérilité, n'est-ce pas? Ils étaient désespérés, découragés. Ils pensaient même, oh non, c'est notre bénédiction, c'est Ismaël. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Non, c'est pas encore là. 17 combien? Ok, excusez-moi. 17, 21. Oui, c'est là. 17, 21. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Mais Dieu vient me bénir. Je n'ai pas d'enfant, j'ai 90 ans ou 100. Il va encore attendre quoi? Il me dit aujourd'hui, le soir, je me promène, je vais avec ma femme. Et puis le lendemain, nous avons ce que nous cherchons. Il est Dieu. Mais lui, il dit non. L'année prochaine, à la même période. Waouh! Est-ce que l'année prochaine, ça signifie 12 mois net, n'est-ce pas? Une grossesse fait 12 mois. N'est-ce pas 6? N'est-ce pas 9? Hein? Lui dit non, il faut attendre l'année prochaine à la même période ici. Pourquoi? Il voulait lui faire voir que la grâce est là, tu mettras au monde, mais elle est dans le cycle. Et pour toi, Sarah et Abraham, le cycle est d'une année, pas de 9 mois. Alléluia. Oui, même dans le chapitre 18 encore, versets 9 à 14. Cette fois-ci, il vient encore confirmer à travers les deux anges, n'est-ce pas? Il vient encore confirmer à Abraham, parce qu'ils avaient encore des doutes avec sa femme. Ah, est-ce que vraiment avec tout ces ventres qui ont fané comme ça, est-ce que nous pouvons vraiment encore avoir des enfants? Oui, parce qu'ils étaient très âgés, n'est-ce pas? Non, excusez-moi, c'est réel. Une femme de 100 ans, 90 ans, elle ne peut pas accepter qu'elle va... D'ailleurs, la preuve est que quand on disait tout ça, Sarah faisait quoi? Elle riait parce qu'elle n'y croyait pas. N'est-ce pas? Alors, comme leur scepticisme persistait, Dieu vient encore confirmer l'alliance à travers ce passage de 18, 9 à 14. Il dit quoi? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura quoi? Un fils. Et puis après, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle a eu peur. Mais bon, nous sautons pour aller directement au verset 14. Ah, c'est ce que nous avons lu, hein? Ok, 15. Oui, elle n'a pas ri. Bon, allez, continuez. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome, tout ça, non.
Genèse 17, 21 et puis Genèse 18, 9 à 14. Donc c'est entre 9 et 14. Ça signifie, il a commencé encore à douter, mais les anges sont venus à Abraham pour lui rassurer que non, l'alliance ce n'est pas avec qui? Ismaël. C'est avec Isaac. Isaac n'était pas encore là. C'est Isaac qui fera quoi? Qui naîtra de toi. Et l'année prochaine, l'année prochaine, à cette même période, tu enfanteras. Et la parole de Dieu, quand vous continuez en bas, vous verrez que à cette même période, Sarah fait quoi? Fut enceinte. Ça signifie vraiment la parole de Dieu s'est accomplie dans le cycle. Comme Dieu l'avait dit, parce que le temps était déjà fixé. Le temps était déjà fixé. Donc il fallait seulement attendre, comme Habakkuk dit, attends là car son temps est fixé, elle viendra. C'est pour dire que le cycle est en train de venir, bien-aimé. Dans ta vie, dans ma vie, des cycles sont là. Les bénédictions sont certaines. Même si vous pouvez traverser quelle situation, elles sont là. Quand le temps de Dieu va venir, le cycle va arriver, ça va s'accomplir. Alors, mais comment promener les regards inquiets? Hein? Oh, mais de peu de foi. Non, pas du tout. Alléluia. Nous avons un autre exemple. La femme tsunamite. N'est-ce pas? 2 Rois 4:14-17. 2 Rois 4:14-17. C'est bien, notez ces versets-là. Vous pouvez vraiment continuer à méditer là-dessus à la maison. Vous trouverez que ces choses sont réelles. 2 Rois 4:14-17. Nous pouvons lire? Et il dit, que faire pour elle? Ça, c'est Élisée, n'est-ce pas? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait. Élisée lui dit, tu auras un fils. Moi, j'ai dit, je suis déjà vieux, mais je voudrais maintenant là, que j'ai déjà la grossesse et commence déjà à saliver, quoi, n'est-ce pas? Et lui, il dit non, non, l'année prochaine, à quoi? Ça signifie quoi? Les choses étaient dans le cycle, on ne pouvait pas changer. Lorsque le temps de Dieu vient, le cycle arrive, les choses s'accomplissent. Les choses s'accomplissent. Lorsque nous perdons confiance, nous perdons espoir, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas ces choses. Si vous les connaissez bien aimés, vous allez toujours vous accrocher à Dieu. Et lui faire confiance, les choses viendront. Les choses viendront. Et c'est de cette manière que nous devons prier. Alléluia. Même Élisée lui-même. Cet enfant ici est mort, n'est-ce pas? Hein? Elle a un peu grandi, et puis au champ, hein, elle est la tête, l'enfant est mort. Et puis on est allé chercher, cette femme est allée chercher Élisée envoie Géasi vient faire des choses. Ça n'a pas tenu, l'enfant ne s'est pas levé, n'est-ce pas? Il a fallu qu'Élisée lui-même vienne. Élisée vient, allez, il prie, il se couche sur l'enfant. Verset, toujours là-bas, 4:35, là nous n'allons pas lire. Chapitre 4:35 des Deux Rois. C'est la résurrection de cet enfant. Élisée a fait quoi? S'est couché sur l'enfant et a prié. L'enfant a éternué combien de fois? Sept fois. Tiens. L'enfant s'est levé. N'est-ce pas? Bon, ok. Naaman, il est allé dans le Jourdain combien de fois? Avec quel prophète? Toujours Élisée. N'est-ce pas? C'est dans 5:14. Et puis après, Élisée est allé avertir cette même femme, parce qu'ils ont continué à se côtoyer, que attention, dans cette ville, il y aura une famine de combien d'années? Va chez les Philistins pour échapper. Alléluia. Alors j'ai compris. Élisée avait une onction d'un cycle de combien de fois? De 7 fois. Quand il fait des choses 7 fois, le miracle s'accomplit. Alors, Naaman, lui, ne comprenant pas ces histoires, il dit, non, arrête-moi ces histoires-là. Mais finalement, quand il est allé le faire, mais ça s'est accompli. Pourquoi? Parce que Dieu l'utilisait dans cette dimension de 7 fois. C'est un cycle de 7 fois. Quand ça, tu fais la première fois, ça ne va pas tenir. La deuxième, la troisième, la 7e fois, bam, tu as la solution.
Alléluia. C'était le cycle lié à son onction. Amen. Des exemples sont les gens. Sont les gens. Bien-aimés, ce message ici que je vous prêche, Dieu me l'avait donné au pays avant. Je l'ai prêché le même comme aujourd'hui, la veille d'une rentrée scolaire. Et j'avais exploité des exemples pour dire que Dieu renouvelle toutes choses. Vous verrez que c'est en ce moment ici que dans beaucoup de pays tropicaux, et ainsi de suite, que la pluie revient pour féconder la terre, n'est-ce pas? C'est à cette même période ici que vous verrez que même les arbres ont eu du feuillage chez nous. C'est cette période, n'est-ce pas? Si vous allez chez les poissons, c'est à cette période que les poissons ont des œufs, à partir de septembre jusqu'en décembre. Il y a même une loi belge, n'est-ce pas, qui interdisait la pêche pendant ce temps. Ça existe même aujourd'hui, ceux qui ont fait l'agriculture, papa, n'est-ce pas? Oui, ça signifie à cette période, les poissons aussi se reproduisent. La terre se reproduit, les arbres se reproduisent. Et puis les enfants aussi rentrent à l'école, ils ont de nouveaux uniformes, de nouveaux équipements, tout est nouveau. Est-ce que ça c'est de la magie ou bien c'est du hasard? Les choses sont dans leur cycle. C'est le cycle de renouvellement. Cette période ici, c'est un cycle de renouvellement. Alléluia. Amen. Oui. Ce n'est pas une saison comme n'importe laquelle. C'est une saison de renouvellement, bien-aimé. C'est pourquoi on a prié sur vous. C'est pour que Dieu renouvelle vos forces, renouvelle votre intelligence, renouvelle vos capacités, renouvelle vos promesses de grandes choses. Ce n'est pas en vain qu'on l'a fait. C'est plein de sens et ça s'accomplit comme ça. Alléluia. Même ceux qui ont dit que non, la rentrée scolaire c'est en septembre, ils comprenaient ces choses. Ils ont dit, à cette période ici, il convient que le corps de l'homme, après la moisson, n'est-ce pas, maintenant, reprenne les forces. Reprenne les forces. Maman a 9 mois de grossesse, n'est-ce pas? Il lui faut combien de temps pour qu'elle commence à reprendre ses forces? Combien de mois? 3 mois, n'est-ce pas? C'est 3 mois, moi je suis marié, n'est-ce pas? Oui, c'est 3 mois. C'est 3 mois, ça signifie la moisson à 3 mois et puis 9 mois de quoi? De travail et de culture. Donc 9 mois de grossesse et puis 3 mois de quoi? De repos. Ce sont des cycles. Alléluia. Dieu a fait des choses comme ça. Il en est de même des promesses de Dieu dans votre vie. Il en est de même des bénédictions. Vous savez comment je l'ai su? Ces choses, je ne les ai pas étudiées à l'internet ou bien chez un prédicateur. Je les ai découvertes moi-même. Parce que je prenais aussi le temps de comprendre la parole de Dieu. Et puis j'ai commencé à voir ma vie. J'ai dit, oh, c'est comme ça que Dieu opère. Moi, je sais mes cycles, moi. Quand j'étais jeune, je termine mes humanités. Je devais aller à l'université. Alors, j'ai dit non, je dois aller à Kinshasa. Mes parents ont dit, mais tu vas faire quoi à Kinshasa? Il y a l'université de Lubumbashi ici. Tu vas faire quoi là-bas? J'ai dit, moi, mon esprit dit qu'il faut aller là-bas. Mais non, moi, je dois aller. J'ai cherché un peu ce que je pouvais. Je n'avais même pas de billet. Je vais à l'aéroport. Vous savez, dans ce pays, il y a ce qu'on appelle les Libumundunda, n'est-ce pas? À l'époque du maréchal, il y avait des Libumundunda. Vous connaissez ça? Là, même si tu n'as pas de billet, tu pars. Moi, j'ai compté sur ça. Je suis resté à la bourgeoisie 2 semaines. L'avion ne venait pas. L'avion ne venait pas. Alors, à un certain mois, un mois X, le premier ou le deux, un petit jet arrive avec un Américain. Et puis les gens voulaient aller monter. Ils disent, non, I take only the guy who is going to college. Dit, that's me. Et puis ils disent, viens. Je suis entré dans les King Air. Je suis parti à King. Alléluia. J'ai fait mes études là-bas, puis j'ai fait mon travail, j'ai eu la femme, j'ai eu mes enfants, j'ai fait la vie. Amen. Un mois, X, je ne connaissais pas ces choses. Je termine l'université, Dieu me donne le travail. Dans ce travail-là, on dit, après un certain temps, on dit non, il doit y avoir des équipes de personnes qui doivent faire la formation à l'Équateur, dans des provinces comme ça. Il fallait commencer par l'Équateur. La première équipe, on dit, toi, tu dois être là. Parce que tu connais cette matière, tu dois y être. On dit, ok. Et comme j'ai rêvé aussi aller à Bagdolite, puis Mandaka, tout ça, je voulais. Moi, j'aime beaucoup voyager. Et Dieu m'a fait grâce. Je pense que ce sont parmi vraiment mes favorites, quoi. Alors, à ce même mois-là, j'effectuais un premier voyage en Mandaka, Bagdolite, Gemina, tout ça. Ah, j'ai passé de très bons moments, des souvenirs. Oh, de bons souvenirs, comme nous en avions parlé le mercredi ici. Ah, puis c'est passé. J'ai changé d'emploi. Je suis allé à un autre emploi. Après quelques années, quelques temps, on dit non, il faut qu'il y ait une mission des personnes qui doivent aller à Goma dans le parc de Virunga et puis faire ceci.
comme c'est toujours, hey, c'est beau quoi. Moi aussi j'étais déjà, c'est moi qui travaillais le dossier. On a commencé à préparer les dossiers, quand le dossier est fini, le même mois là, les choses, on a donné les moyens, pas le plus, on a tout fait. Je suis allé à Goma, le même mois. Moi j'ai dit, le mois X. Je commence à, comme on dit à Lingala, n'est-ce pas, je commence à tirer les films. Hein? Vous connaissez ça? Ça signifie qu'il ne faut pas être distrait. Alors moi, je, comme dit, je sers l'Éternel, il y a des choses comme ça. Comment ces choses doivent se répéter comme ça au même moment? Je commence à tirer les films, les images. Hein? Je me suis dit, non, ces choses sont dans le cycle. Quand elles m'arrivent au même moment, je voyage dans des différents pour la première fois, c'est que Dieu me parle qu'à cette période-là, c'est ton cycle. Ah oui, j'ai fait ça une conviction. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Je connaissais déjà désormais que c'était un cycle à moi. Et puis, j'ai confessé ça, j'ai prié. Un jour, pas. On dit, bon, il faut aller, j'ai pas, il fallait aller à Addis Abeba. Je pars à Addis Abeba. Le même mois. Je suis à Addis Abeba. On dit, non, il y a un professeur d'université que tu dois accompagner à New York. Reviens vite, parti à New York. Il dit, oh, je termine la conférence. Il dit, ok, dès que tu termines, tu reviens. Hey, j'arrive. Je demande le visa là-bas, j'arrive très rapidement là, on me donne le visa des États-Unis, je vais à la maison, ma femme accouche. Amen. Moi, X. La femme accouche, elle est à l'hôpital, je vais là-bas 5 minutes, je vais au check-in. Il dit, mais cet homme, il vient à peine, il va où? Il dit, laissez-le, il vient d'un voyage, il va à un autre. Vous voyez ces moments comme ça, Dieu vous bénit, il y a l'enfant qui naît, et puis tu viens d'un voyage, et puis... Et puis vous savez, les papas qu'on est dans ce monde-là. N'est-ce pas? Quand quelque chose comme l'ONU vous prend en charge, vous êtes dans les honneurs. Vous êtes dans des grands hôtels, vous êtes dans des... Oh non, c'est beau. Des souvenirs me reviennent parfois. Ah là là. Alors, je pars encore. Je me suis dit, moi je connaissais déjà que non, ça c'est un cycle à moi. Je ne le connaissais pas, désormais je le connaissais déjà après les trois événements-là. Ça pouvait plus. Alors je me suis dit, oh, maintenant il faut commencer à parler aux enfants de Dieu de ces choses. Je n'ai pas fait la magie pour les comprendre. J'ai tout simplement tiré les films et puis commencé à lire la parole de Dieu. Et j'ai compris. Amen. Je ne m'inquiète pas moi. Même si je peux souffrir aujourd'hui, je sais que l'Éternel fait ces choses comme ça. Alors. Alors. Hein? Voilà pourquoi, si Dieu vous a déjà visité dans votre vie, dans un domaine, dans un domaine quelconque, ce n'est pas fini. Ça reviendra. Parce que les choses sont dans leur cycle. Je vous assure, bien-aimé. Si vous avez déjà... Ne vous inquiétez pas. Ne promenez pas de regards inquiets. Les choses sont dans leur cycle. Même si vous avez perdu espoir. C'est parce que la distraction nous fait perdre beaucoup de choses. Oui, quand on est distrait, les choses nous passent parce que nous ne comprenons pas. Mais si vous les comprenez, vous allez tout simplement faire quoi? Attends, là, les temps fixés, ils reviendront. Parce qu'ils sont dans leur cycle. Oui, c'est vrai, les bénédictions sont dans les cycles. Il y a des cycles positifs, il y a des cycles négatifs. Ok? Mais les cycles négatifs viennent de l'ennemi. Ils viennent de Satan. Mais les cycles positifs, toujours de Dieu. Alléluia! Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exemples, je ne peux pas y revenir. Maintenant, voyons dans nos vies. Comment ces choses doivent s'appliquer, bien-aimés. Nous ratons les cycles de nos vies. Nous les ratons pour beaucoup de raisons. Soit nous avons la distraction, soit nous avons l'ignorance, soit l'ennemi lui fait ces choses-là pour nous empêcher d'entrer dans les bénédictions. Parce que les cycles sont là. Mais peut arriver que par la distraction, un cycle vient et vous le ratez. Oui. Il faut attendre que ça revienne. Alors, il faut savoir votre cycle, c'est de combien d'années hein, dans ce domaine-là. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Je prends un exemple. Je m'excuse, s'il y a des exemples concrets comme ça ici chez nous. Je ne parle pas de ça, mais c'est un exemple courant de la vie. Lorsqu'une jeune femme veut se marier, n'est-ce pas? Bon, pas même quand il veut se marier, mais au courant de sa vie, il y a un moment où les hommes commencent à se bousculer, n'est-ce pas? Ils viennent, l'autre vient à gauche, l'autre à droite, l'un de Montréal, l'autre de Berry. Ils viennent et vous sentez maintenant que non, moi je suis une femme, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est votre temps, n'est-ce pas? Bien-aimé, prenez la décision à ce moment-là. Opérez le choix en annulant les gens le plus tôt possible. Si vous voulez donner une année comme maman Mireille a donné une année au papa pasteur, attention. Vous connaissez Kapempu? Kapempu, si vous avez été à l'Ubumba, si vous connaissez Kapempu. Tu vois, quand tu as ton téléphone ici à Kino, ou bien je ne sais pas, tu fais comme ça là. Il vient là-bas. Il vient là lentement, n'est-ce pas? Il fait quoi? Et il fouille et puis tu passes. Pourquoi tu es distrait? Kapempu. C'est comme ça que les choses. Ça signifie, quand les choses se bousculent comme ça, demandez à Dieu, opérez les choix et continuez. Parce que Dieu vous a visité. Mais quand vous commencez à tergiverser, l'autre vient dire, ah non, celui-là, il est trop gras. L'autre dit, non, celui-là, il est mince. L'autre là, il ne parle pas bien. L'autre, et puis, bon, j'attends encore une année. Bien-aimé. Quelque chose viendra comme un vent, il va les balayer tous, bah! Ils vont partir et puis tu vas te rendre compte que, hey, mais tous ces gens qui étaient autour, ils sont où? Ils sont partis avec le cycle! Qu'est-ce que tu crois? Ah oui! Hein? Il faut attendre! Il faut attendre maintenant que si votre cycle est de 5 ans, gloire à Dieu! Mais s'il est de 20 ans. Vrai ou faux? C'est parce que nous ne le savons pas. Nous le disons pour que nous ayons la sagesse de Dieu, pour le comprendre. S'il est un cycle de beaucoup d'années, il vous retrouvera peut-être à 60 ans, mais l'homme de 60 ans viendra. Mais les choses ne seront plus comme quand vous aviez 25 ans. Mais il viendra. Alors il ne faut pas rater le bon moment. Quand un cycle vient, prie Dieu, décide-toi. Saisis ta grâce. Mais si vous le ratez, c'est l'ignorance qui nous fait des choses comme ça. Parfois la jeunesse, l'immaturité, tout ça, c'est ça la distraction. On nous manque beaucoup. Même il n'y a pas que dans le mariage, dans beaucoup de choses. On te donne un emploi, tu dis dans celui-là, non, il a 11 dollars, 12, non. Moi je voudrais carrément par 18. On te donne, c'est, non, moi je voudrais commencer d'abord par 12. Tu vas voir la référence, tu vas voir l'expérience. Et puis celui de 18 viendra, de 30, et puis tu vas étudier, tu auras celui de 50. Les choses fonctionnent comme ça, n'est-ce pas? Alors quand vous ratez une opportunité d'un travail, quand est-ce que le second viendra? On va pas te prendre, parce que tu n'as pas l'expérience canadienne. Il fallait commencer par celui-là. Comme ça, le cycle viendra, ou celui de 35 viendra, tu le prends. Parce que tu es dans les critères, n'est-ce pas? Et les exemples sont légion. Sont légion, c'est tout simplement être éclairé, avoir la patience et puis saisir ces choses au bon moment, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, nous manquons des choses comme ça à cause de l'ignorance. Et nous ratons nos bénédictions. Mais il y a aussi des cycles qui viennent, nous ne les saisissons pas parce que l'ennemi s'interpose. C'est ça le rôle de l'ennemi. Lui, il connaît ces choses. Il dit, cette personne-là, il y a maintenant un cycle qui vient, il va t'embrouiller, il va te mettre dans beaucoup de choses, et puis dans la distraction, dans le péché. Et puis le cycle, quand il vient, Dieu aussi n'aime pas bénir une personne qui n'est pas dans la sanctification, n'est-ce pas? Le cycle fait quoi? Il faut attendre un autre. Et s'il est de 15 ans? Oui. C'est pourquoi on parle de malédictions générationnelles. L'ennemi a bloqué les gens dans ces circuits-là. Quand les bénédictions viennent de Dieu, lui les bloque. Lui les bloque. Et vous vivez dans un cycle de malédiction. Mais il y a la malédiction, on les stoppe, n'est-ce pas? Quand il y a la prière, il y a la délivrance, on stoppe ces cycles-là. Et on commence un cycle nouveau. Amen. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Donc, il y a aussi d'autres causes. Et je pense que c'est... Voilà, j'ai parlé de la distraction, j'ai parlé de l'ennemi, j'ai parlé de l'ignorance, et ainsi de suite. Donc, ces choses, nous devons les appliquer, bien-aimés. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour voir les cycles négatifs, les cycles positifs. Les cycles positifs viennent de Dieu. Les cycles négatifs viennent de l'ennemi. Un enfant de Dieu doit connaître dans sa vie. Ces choses se répètent. Parfois, vous verrez même quand vos enfants, vous allez donner naissance aux enfants, des mêmes choses commencent à se répéter de cette manière.
Ce sont des cycles. Alors, quand il y a des mauvais cycles dans votre vie, évitez qu'elles se reproduisent dans votre progéniture. N'est-ce pas? Mais quand il y a des bons cycles, alors continuez sur la bonne lancée avec Christ pour qu'elles se reproduisent dans votre génération, dans les générations ultérieures. N'est-ce pas ça? Les vieux ici peuvent nous en témoigner. Moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience de la vie, n'est-ce pas, papa? Ah oui. Ah oui, parce qu'ils savent. Donc, bien-aimés, nous devons connaître ces choses. Si vous avez raté un cycle dans votre vie à cause de l'ignorance, rien à faire. À cause de la distraction, rien à faire. À cause de ne sais pas de quoi, et vous vous rendez compte que Dieu m'avait visité, mais je n'avais pas saisi l'opportunité. Le cycle est passé. Dieu, fais-moi grâce, car le cycle va revenir, que je ne le rate plus. C'est ça la prière d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mettons-nous debout. Après un message si puissant et si profond, si bénissant. Vous savez, même Jésus a parlé à Jérusalem. Jésus a dit à Jérusalem, malheur à toi Jérusalem, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Nous bénissons le Seigneur pour un message si puissant et si profond. Même cet homme qui était malade à la piscine de Bethsaïda, il attendait le cycle de l'ange, de la visitation de l'ange. L'ange devait passer et agiter l'eau. Et celui qui s'y jetait était guéri. Et il repartait pour revenir, on ne sait pas après combien de temps. Ce message est si puissant et prophétique. J'ai dit que ce message est si puissant et prophétique. Délivré par le prophète Billy. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour sa sensibilité spirituelle. Mais j'aimerais que nous prions dans une dernière dimension. Que le Seigneur nous rende sensibles. Parle à Dieu ce soir, ce midi, avant de partir de ces lieux. Seigneur, rends-moi sensible à mon cycle et à ma saison. Rends-moi sensible. Vous savez, un homme sensible comme ça, c'est une grâce. Il a les yeux et les oreilles ouverts à ce qui se passe autour de lui. Et Jésus a dit à Jérusalem, comme je le répète, il dit, malheur à toi Jérusalem, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Nous sommes appelés à être attentifs à l'opération divine dans nos vies. Quelqu'un dit amen. J'aimerais que tu élèves ta voix avant de terminer. Nous avons fini. Dans quelques moins de 5 minutes, nous partons de ces lieux. Mais j'aimerais que tu parles à ton Dieu. Seigneur, désormais, rends-moi sensible. Rends-moi sensible à mon cycle et à ma saison. Quand quelque chose clique dans ma vie, je sais. Même si c'est un cycle que l'ennemi voudrait amener, je saurais comment l'arrêter. Parce que je suis sensible. C'est là que tu ne seras pas distrait. Tu sauras que le diable est en train de frapper à ma porte comme il l'a fait peut-être il y a 2 ans ou 3 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois l'arrêter, le contrecarrer. S'il faut entrer en prière, tu entres en prière. Parce que tu es sensible au cycle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le faire? Élevons nos voix ensemble et prions le Seigneur. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Que Dieu te rende sensible. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que tu ne sois pas un homme et une femme distrait. De peur que le Seigneur dise, malheur à toi, je t'avais même envoyé mon serviteur pour parler. Il a parlé, mais tu es resté distrait. Tu es resté dans ta position. Alors que je l'avais envoyé avec des exemples clairs et typiques pour que tu comprennes. Parle à Dieu, demande à Dieu de te rendre sensible. Le Seigneur voudra te visiter encore. Le Seigneur voudra te visiter encore. Le Seigneur veut te visiter encore. Il dit que ton cycle s'est approché et ça va s'accomplir certainement. Ce que tu attendais depuis longtemps. Parle à Dieu qu'il te rende possible, sensible, pour que s'il faudra poser un acte, que tu le fasses. Pour que s'il faudra faire quelque chose, que tu le fasses. Et que tu permettes à Dieu d'accomplir ses desseins dans ce cycle. Quelqu'un parle à Dieu. Père de gloire, nous te rendons gloire et grâce. Honneur au Dieu fidèle. Puissance et louange. Dieu fidèle, glorifie ton nom, Seigneur.
Rends-nous sensibles, oh Dieu, à ta voix, à ta grâce et à ta... Oh Dieu fidèle, Seigneur, au cycle de nos vies et à la saison pour la gloire de ton nom. Car tu opères, tu agis, tu étends ta main, tu manifestes ta grandeur et tu opères des miracles. Seigneur, merci, Dieu de gloire. Rends-nous, Seigneur, sensibles à ta voix et à ta volonté, en tout et pour tout, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Nous lions l'esprit des distractions. Nous lions l'esprit, oh Dieu, des sensibilités. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous restons attentifs et à ta voix et aussi.